Alors, monsieur, bonsoir. Nous nous excusons pour ce léger retard. Nous espérons que cette émission va démarrer comme un moteur diesel. Je vous rassure que Paul Eric est déjà dans ce studio. Mais on commence par cette interrogation. Que se passe-t-il entre Maurice Kamto et certains de ses soutiens politiques qui ont porté sa candidature durant l'élection présidentielle de 2018? Scrutin remporté, comme vous le savez, par le candidat du RDPC, Paul Biya, depuis lors par le scrutin, ou alors cette élection est contestée par celui du MRC. À moins de 48 heures d'une série de manifestations programmées par le professeur Maurice Kamto pour contester ce qu'il qualifie de hold-up électoral, son ancien directeur de campagne s'ouvre à l'opinion et dévoile les non-dits et secrets de coulisses observés durant cette période. Depuis le début de la semaine, donc, Paul Eric Kinyi enflamme la toile, comme c'est le cas à chacune de ses sorties. Le président du MPCN enflamme donc la toile et critique la stratégie adoptée par son candidat en vue de récupérer la victoire qui leur aurait été volée. Les critiques qui suscitent plusieurs réactions. Alissa Diop, par exemple, s'est invitée dans ce débat la présidente de l'Alliance des forces progressistes et surtout secrétaire générale de la plateforme qui a porté la candidature d'Akere Mouna, s'est dit ne pas se reconnaître dans un certain nombre de déclarations faites par Paul Eric Kinyi. C'est dire, et on peut le croire, que le torchon brûle donc entre les alliés d'hier. De tout cela, on en parle avec notre invité, tout comme on va commenter certains sujets de l'actualité. Je l'ai dit, le président du mouvement patriotique du Cameroun, ou du moins pour un Cameroun nouveau, le MPCN, est installé dans le mythique fauteuil rouge. Paul Eric Kinyi, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Bien reposé? Non, j'ai dû faire la route entre Yaoundé et Douala. Je viens à peine d'entrer il y a 15 minutes dans la ville de Douala. Un petit calvaire. Un petit calvaire, mais je tenais absolument à honorer, n'est-ce pas, ce rendez-vous. Et je pense que, Dieu merci, j'ai bien voyagé. Et je viens d'entrer. Maintenant, les téléspectateurs peuvent nous suivre. Je voudrais dire bonsoir à tous les téléspectateurs, à tous les Camerounais qui nous suivent, à tous les étrangers qui nous suivent, à tous les téléspectateurs de la diaspora qui nous suivent. Et je voudrais sincèrement vous remercier de cette amitié que vous ne cessez de nous renouveler. Oh, écoutez, monsieur Dupita, moi je suis un homme de parole. Les gens qui me connaissent, sauf par méprise, doivent savoir que quand je dis quelque chose, je change pas de position. Je vous ai dit que je serai là et je suis là. À quand moment votre dernière rencontre avec Maurice Kamto? Ma dernière rencontre remonte d'il y a quelques jours seulement, en tout cas. De quoi avez-vous parlé? Non, écoutez, moi, vraiment, je ne veux pas que ça commence comme ça. Vous devez savoir... Non. Il est important que je vous le dise, je ne veux pas que ça commence comme ça. Parce que dès le début de votre introduction, il y a eu beaucoup de dire que je n'ai pas beaucoup apprécié. D'abord, vous avez commencé par dire que le président Paul Biya a remporté l'élection. Permettez-moi de rectifier pour dire que le président Paul Biya n'a pas remporté l'élection. Et que c'est mon candidat qui a gagné l'élection en 2018. Il y a eu véritablement un hold-up. Donc, il faut éviter de manipuler l'opinion. Le gagnant de l'élection de 2018, du 7 octobre 2018, c'est bel et bien M. Maurice Kamto. Sur la base de? Sur la base des procès-verbaux que nous avons dépouillés. Et que vous n'avez jamais dévoilé au public. Non, ce n'était pas à nous. Mais il faut le dire aux Camerounais, vraiment. Le rôle des médias, c'est aussi d'éduquer les Camerounais. Il y a une disposition de la loi qui dit que, en cas de confrontation, en cas de doute, seuls les PV de l'ECAM ont force de loi. Dès qu'une telle disposition dit ça, vous croyez que nos PV ont quelle force? C'est pour ça que nous demandions que les PV de l'ECAM soient sortis. Mais si la loi dit que seuls les PV de l'ECAM ont force de loi, on ne devrait pas hésiter de sortir les PV de l'ECAM. Mais le Conseil constitutionnel... Non, je vous dis que c'est ce fameux Conseil constitutionnel... C'est basé sur les PV de l'ECAM pour... Justement, les PV de l'ECAM, donc, quand nous les avons demandés, le Conseil constitutionnel nous a donné des PV où il n'y a ni signature de l'ECAM.
ni signature des représentants des partis politiques, ni signature des présidents départementaux de recensement de vote. Alors, monsieur le député Tongo, moi je vais vous poser une question. Si un enfant vous apporte le bulletin, votre fils revient avec le bulletin de notes, il n'est signé de personne, mais il a quand même eu 18. Vous allez, en tant que père responsable, dire que c'est un enfant qui a eu 18. Même si le parallèle ne sied pas, on est d'accord. Non, le parallèle sied, c'est-à-dire qu'il faut que les pièces soient signées de quelqu'un. Le parallèle sied. Il faut que une pièce soit, pour qu'elle soit valable, elle doit être signée, elle doit porter le sceau. À défaut de porter le sceau, elle doit porter des signatures. Et on vous dit donc que les fameux PV, que mon ami et son père, parce que c'est mon ami au-delà de tout, que mon ami et son père, de manière tout à fait heureuse, a dévoilé, aucun de ces CV n'avait, de ces PV n'avait la moindre signature. Il faut que vous le dites aux gens. Moi, je suis venu ici vraiment pour dire des choses. Mais je ne suis pas manipulable. Je dis donc que vous avez dit une première contre-vérité. La première contre-vérité, c'est que M. Biya a gagné les élections. M. Biya n'a jamais gagné les élections. M. Biya s'est mis en position de hold-up électoral. Donc. Premièrement. Deuxièmement, vous avez parlé de Alice Sadio. Avant d'aller sur Alice Sadio, oui. Je vous ai laissé parler. Oui. Et je voudrais rectifier que la vérité que j'ai dite est fondée sur le constat légal, non, la loi. Non. Je vous ai laissé parler. Oui. Ça, j'ai commencé par de ça. Quelle loi parlez-vous? Est fondée sur la loi, ouais, qu'a constaté et a fait appliquer le Conseil constitutionnel. De quoi vous parlez, monsieur Dipita? J'observe, je ne voulais pas que votre émission commence. J'observe que vous gardez votre ligne. Non, monsieur Dipita, moi je suis pas. Non, vraiment, je regrette. Et je vous le conseille, c'est une position. Monsieur Dipita, le rôle des médias. Paul Eric. C'est aussi non, s'il vous plaît. Paul Eric. Le rôle des médias. C'est aussi d'éduquer les masses. Et nous le faisons. Et la première éducation que vous devez donner aux masses par rapport à cette élection. L'éducation que nous on donne à notre. Vous me laissez parler? Non, c'est moi qui l'exécute. Vous voulez me dire que j'ai fait 3 heures de route, 5 heures de route pour que vous veniez m'empêcher de parler? Non, pour que je vous pose des questions et que vous répondez. Ouais, mais vous pouvez pas me poser des questions comme vous voulez. Non, vous n'allez pas. En faisant des insinuations, parce que là, vous faites des insinuations. Non, je peux poser la question comme je veux. Bon, ok. Posez donc la question clairement et je vous réponds clairement. Non, elle était tout à fait claire. Seul que je ne vais pas vous laisser dire. Non, monsieur. Je ne vais pas vous laisser dire. Vous me donnez l'impression que vous êtes un suppôt du RDPC. Non, un journaliste ne doit pas avoir ce type de position. Je dis ceci. Paul Eric. Je dis que. Paul Eric. Non, la meilleure preuve. Monsieur Dipita. Paul Eric. Non, je dis que. Dites aux Camerounais. Que, un, le Conseil constitutionnel, tel qu'il était composé des amis de M. Biya. S'il vous plaît, vraiment, permettez aux Camerounais, c'est ça votre rôle. Ce Conseil constitutionnel, dont un des membres était Foumana Kampé à son âme, il doit être à la morgue en ce moment. Ce Conseil constitutionnel, Foumana Kampé, était conseiller spécial de Paul Biya. Comment pouvez-vous être conseiller spécial de Paul Biya et être en même temps membre du Conseil constitutionnel? Pourriez-vous donc me laisser? Non, la loi a été complètement étriquée et biaisée ici. Les gens qui doivent faire partie du Conseil constitutionnel. Non, s'il vous plaît, je suis venu vous dire. Bon, si vous voulez qu'on reste sur ce point, on va rester sur ce point. Non, on va pas rester, on va évoluer. Ah, non, mais. C'est que remarquez bien que je vous laisse. Dites aux Camerounais que le Conseil constitutionnel, tel qu'il est composé, ne peut rendre aucune décision, aucun arrêt valable. Parce que vous ne pouvez pas être un Conseil constitutionnel composé d'un conglomérat d'amis de M. Biya et dire que M. Biya a gagné, vous nous parlez de la légalité. Alors, le minimum, c'est qu'il y ait quand même des gens qui aient des personnalités suffisamment indépendantes. Je vais me permettre de vous arrêter. Bon. Et me laisser poursuivre. La première chose que je vais dire, c'est que si nous étions à Estivien Suppôt du RDPC, vous serez par-ci là. Mais première chose, laissez-moi poursuivre. Je ne peux pas vous laisser poursuivre. Je ne peux pas vous laisser poursuivre dans ce cas-là. Pour la simple raison que
vous devez pas manipuler l'opinion. Monsieur Biya a échoué, il a perdu ses élections de 2018. Ne manipulez pas l'opinion. Moi, je suis un peu choqué. Il ne faut pas manipuler l'opinion. Ok, il a arraché la victoire. On a dit, ok, tu as arraché la victoire. Mais nous, on ne le laissera pas dormir, nous aussi. Les selfies, là, ça va se faire de moins en moins à la présidence. Vous comprenez? Donc, il faut que vous le compreniez. Moi, je ne suis pas... Je ne peux pas venir vous laisser... Me laisser faire entendre deuxième chose que je voudrais gagner l'élection. Deuxième chose que je voudrais dire... C'est une injure à ma personne. Deuxième chose que je voudrais dire... D'ailleurs, c'est un constat que nous faisons. Non, vous ne faites pas de constat, vous faites quel constat? Le Conseil constitutionnel de la République. Le Conseil constitutionnel... Vous avez cessé d'être républicain pour les... Le Conseil constitutionnel... Vous avez cessé d'être républicain. Non, je dis le Conseil constitutionnel au Cameroun ne vaut rien. Mais vous y étiez. Je le dis. Et vous avez monsieur, soutenu un candidat... Non, nous avons de tout cela. Non, s'il vous plaît, nous avons voulu... de tout cela. Le Conseil constitutionnel a été mis en place avant cette élection. Non, nous avons voulu montrer au monde entier... que le professeur Kamto... Mais continuez à le montrer. Non, nous ne pouvons pas continuer parce que en continuant à le montrer, nous nous rendons compte qu'en face, nous avons des gens qui ne comprennent pas le langage de la bienséance. Nous, on est bienséants. Par conséquent? On est bienséants. D'accord. Et on a en face des bandits qui ne comprennent pas le langage de la bienséance. D'accord. Par conséquent, nous devons cesser de les respecter. Et je voudrais que cela soit dit aux Camerounais. Donc vous sortez monsieur là. Biya n'a pas gagné l'élection au Cameroun. Donc vous sortez parce qu'une élection qui... Mais monsieur Dipita, si vous allez faire le concours, un concours où il y a votre épouse et vos enfants dans le jury, vous êtes sûr que nous, on va penser que vous avez passé ce concours-là? Mais nous acceptons, j'accepte d'y aller. Et nous, on acceptera donc pas ça. Et vous, on acceptera pas ça. Et vous allez accepter les conditions de ce concours, sachant bien que mon épouse, ma famille y est. S'il vous plaît. Et à la fin de la journée, vous êtes allé à ce processus. Nous savons, vous êtes allé pendant que d'autres, comme le 6 pipi, pour ne prendre que cet exemple, vous ne mettiez, n'y allez pas. Et d'ailleurs, il y a certains qui vous ont rejoint dans cette bataille. Je veux citer Célestin Djamène, qui tout au long d'avant-campagne disait changer ce code. Non, mais vous avez accepté d'y aller. Non. Changer ces lois. Écoutez, à la fin de la journée, vous avez accepté d'y aller. Nous avons crédité. Nous avons passé. Le scrutin s'est déroulé. Vous aviez des scrutateurs dans les bureaux. Vous avez accepté que ce scrutin se passe. Les résultats ont été proclamés. Vous avez fait des recours. Vous êtes allé au conseil. Vous avez accepté tout ce processus. Monsieur, j'espère le conseil que vous a fini de donner son verdict. Vous avez dit vous allez au niveau de l'Union africaine. Vous y êtes allé. J'espère que votre émission, c'est pour 2 heures. Parce que je souhaiterais qu'elle aille à 3 heures. Bon. Moi, j'ai de la batterie. Je suis rechargé suffisamment. Eric, s'il te plaît, permets-nous d'obtenir qu'on ait plus de temps que prévu. Voilà. Donc, parce que si on peut aller au-delà de 22h30, ça nous fera beaucoup de bien. Tout ce temps que vous prenez, je sais que tu pourras l'obtenir. Tout ce temps que vous prenez pour introduire l'émission, je suis en train de dire, et il faut que les Camerounais me suivent clairement, M. Biya n'a jamais gagné d'élection. Je peux vous garantir qu'on aura les horaires. Le vainqueur de l'élection au Cameroun, c'est M. Maurice Kamto. M. Biya n'a jamais gagné une élection. Je vais vous poser une question. Sur ce point, pour qu'on en sorte, de ce point de vue, je vous concède votre position politique. C'est une position politique, et je sais que vous n'allez pas la changer. Vous n'avez pas à nous concéder une position. Nous dit ce qu'il y a. Nous étions des acteurs. Nous, en tant que un acteur majeur. En tant que média. S'il vous plaît. Oui, moi, j'étais un acteur majeur. Oui, Paul Eric. En tant que directeur de campagne. Mm-hmm. C'est pas sur un plateau de STV ou d'une autre chaîne de télévision que je dois apprendre que Biya a gagné les élections. Je vous dis que au départ, nous avons crédité ces gens de bonne foi. D'accord. Nous nous sommes dit que c'est des Camerounais de bonne foi et que le Cameroun nous appartenait à nous tous. Ok? Et que personne n'avait donc le droit de faire du mal à la progéniture qui arrive, c'est-à-dire qu'aux générations futures. Mais nous nous sommes rendus compte que ce qui compte pour des gens que nous avons en face, c'est qu'ils s'arc-boutent, n'est-ce pas, sur au pouvoir autant que possible. Et alors que nous pensions qu'il suffirait simplement qu'ils constatent qu'ils ont perdu les élections et qu'ils déclarent qu'ils ont perdu dans d'autres, sous d'autres cieux on voit ça. Sous d'autres cieux on voit des gens reconnaître leur défaite d'avance, d'entrée de jeu. Ça n'a pas été le cas ici. Ces gars, je vous prends un cas. Il y a un des 6. À Yaoundé 6, vous savez, permettez-moi, je ne dois pas le dire,
On dit que Paul-Éric Ingéry dit tout et tout. Vous savez que Yaoundé 6 est peuplé à 96% d'anglo-bami. Les résultats qui sortaient des urnes à Yaoundé 6, quand moi j'ai vu tous les PV de Yaoundé 6, je suis devenu fou. Ces résultats disent quoi? Monsieur Biya n'a même pas pu avoir 6%. Donc vous soutenez la thèse, vous soutenez la thèse, non, vous soutenez la thèse du vote tribal. Non, non, vous le dites, vous soutenez la thèse du vote tribal. Non, ça aussi, ça, oui, mais les boules votent pour bien à 100%. Donc les résultats qui sont sortis de Samelima et de Bometa. Parce que je voudrais faire remarquer que... Non, je suis prêt à faire ce débat. Le MRC, du moins le professeur Maurice Kamp... Pourquoi est-ce que M. Biya peut être voté à Bometa à 100% et Maurice Kamp n'est pas voté à l'Ouest à 100%? Non, je voudrais vous dire que pour le cas de Kamp, je le marque. Je le marque parce que c'est une position officielle de votre parti. Je n'ai pas de qui dénonce. Je n'ai pas de problème. De votre candidat. Ouvrez ce débat. Qui dénonce le vote tribal. Écoutez, ouvrez ce débat et on en parle. Ok. Mais il est ouvert, hein. On peut le faire. Je vous dis ceci. Biémassi est à 95%. Biémassi, Obili et Mendon et tout ça. Et vous pouvez le vérifier. Et à 96% pratiquement anglo-bami. Nous avons vu le même soir des élections, les PV, où le RDPC n'a pas obtenu, où le candidat Biya n'a même pas pu obtenir 6%. Vous savez ce qui s'est fait à la fin? Non, du tout, du tout. Monsieur Biya a gagné à la fin à Biémassi, avec les PV qui ne sont pas signés. Donc, vous trouvez que ça, c'est déjà normal? Je veux dire que c'est le vote tribal qui fonde votre conviction. Oui, appelons ça vote tribal. Mais sauf que je souhaiterais que tout à l'heure, vous apportiez un peu d'eau dans le vin. Pour dire que moi je ne suis pas Bamileke. Pourtant je suis avec M. Kamto. Pour dire que Pedaï Koka n'est pas Bamileke. En même temps. Non, s'il vous plaît. En même temps. Pour justement pour mettre de l'eau dans le vin. Oui. Vous avez quand même une filiale. Mais la filiale est de 25%. Elle est de 25%, monsieur. Mais elle existe. Non, non. Je dis qu'elle est de 25%. Mais elle existe. Et nulle part au monde. Comment, 25... comment faites ce pourcentage? Non, je fais le pourcentage et ça je le répète ici aujourd'hui. Je l'ai dit déjà sur votre antenne. Absolument. Ma mère est de Douala et de Wodi. Vous savez que les Douala et les Wodi, c'est de Sawa? Absolument. Vous le savez? Absolument. Mon père est de Dibombari. La mère de mon père est de l'Ouest. D'accord. Alors, je dis que 75%, je suis du littoral. Ça veut dire que je suis Sawa à 75%. J'ai 25% de sang. Et nulle part, les 25% ne peuvent avoir la force sur 75% pour que je supporte les Bamileke. Je note quand même que les 25% existent. Non, mais ça existe. Ce qui, dans le contexte, est dans votre analyse. N'est pas rien. S'il vous plaît, ce Penda et Koka, les 25% n'existent pas. Il est 100% Sawa. Ça, il faut le dire aux gens. Donc, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas du tout la route. Nous sommes à côté de M. Maurice Kamto, alors que nous ne sommes pas Bamileke. Mais, si vous voulez parler du vote tribal, je dis que le Cameroun est ainsi fait. Souvenez-vous d'un brillant enseignant, qui a d'ailleurs été mon enseignant en deuxième année de faculté, M. Gabriel Lep, à l'époque, Monsieur à son âme. Ce monsieur nous a parlé du vote, comment il appelait ça, tribal, du triangle, je ne sais pas quoi, machin, au Cameroun. Nous savons que c'est ainsi que c'est fait. C'est-à-dire que j'ai vu un certain Convondo venir dans un plateau de télévision à Yaoundé, dire que dans son village, Biya a eu 100%. Pourquoi vous voulez que Biya ait 100% dans son village et que Kamp n'est pas 100%. Maintenant, je voudrais revenir sur cette question. Je voudrais vous dire que nulle part Kamp n'a eu 100% à l'Ouest. Il y a même des endroits à l'Ouest où ces militants ont été pourchassés. Mais je trouve quand même un peu... Madame Kesha, s'il vous plaît... Non, Paul, vous savez... S'il vous plaît. Laissez-moi de temps en temps dire un mot. C'est quand même moi qui pose la question ce soir. Non, mais vous avez déjà posé la question. Mais j'y arrive. Bon, ok. J'améliore. Je trouve quand même contradictoire. Oui. Que vous faites remarquer que quand on a eu 100% nulle part, et qu'en même temps vous contestez les résultats de façon générale. Pardon? En même temps vous contestez les résultats. Les résultats. Ce n'est pas parce qu'on doit avoir 100% qu'on ne gagne pas. Hein? Non, c'est pas parce qu'on n'a pas 100% qu'on ne gagne pas. Donc je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, ce que je veux dire, c'est que. Alors, si vous faites remarquer qu'il n'a eu 100%
nulle part. Alors qu'il a eu 70%, alors qu'il a eu 70%. On peut pas en même temps contester. Mais on gagne les élections avec 70%. On peut pas en même temps, on peut pas en même temps contester. Non, je dis. Et donc il aurait eu 100%, le RDP serait logiquement, ou alors Paul Biya aurait logiquement triché. Non, je dis ceci. Dans les fiefs de M. Biya, le résultat était de 100%. De ce côté, il n'a pas triché. Et je voudrais maintenant vous dire. Non, et donc là, quand toi fais 100%. S'il vous plaît, je n'ai pas fini. Vous ne pouvez pas conclure qu'il n'a pas triché. Mais monsieur Dipita, je vous sais quand même assez intelligent. Mais faites très attention là. Je suis pas devenu bête. Non, s'il vous plaît. Dites-moi un peu. Oui. Dans quel pays au monde on va à une élection, il y a le nombre de votants correspond au nombre d'inscrits. Dans quel pays vous pouvez me dire ça? Ça veut dire qu'entre temps, il n'y a pas eu de malades. Absolument. Il n'y a pas eu de déplacés. Il n'y a pas eu de morts. Il n'y a rien eu. Dans les villages de M. Biya, M. Nkunvondo nous a dit que tous ses oncles qui étaient décédés ont voté. Et vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas eu de tricherie. D'accord, on a fini cette conversation. Il y a eu de la tricherie au sud du Cameroun. D'accord. Et il faut le dire aux Camerounais. D'accord. Et je suis venu le dire aux Camerounais. Et à contrario donc. Oui. À contrario, à l'ouest. Vous ne pouvez pas soutenir. Non, s'il vous plaît. D'accord. À contrario, à l'ouest. Les chiffres étaient compréhensibles, c'est-à-dire que il y a par exemple 1000 inscrits, le nombre de votants tourne autour de 600, ça se comprend aisément. Mais justement, je sais. Non. Et le nombre de suffrages valablement exprimés est à peu près de 400, ça se comprend. Parce qu'il y a des mouvements des hommes, d'accord. Il y a des décès, il y a des maladies, il y a tout ça. À l'ouest, c'est ce qu'on a constaté. Je voudrais même vous dire que dans certains endroits de l'ouest, les militants du RRC et nos sympathisants ont été littéralement pourchassés. Vous avez dû constater d'ailleurs Mme Ketchara a été nommée pour ces faits. C'est-à-dire qu'à Bangante, elle a pratiquement chassé tout le monde. Elle a fait chasser tout le monde. Et on a su bien lui donner la récompense. Vous savez qu'elle est devenue ministre entre-temps. Donc alors, je vous dis, la logique, je nulle part au monde, vous ne pouvez pas aller à une élection alors que vous êtes au départ 1000 inscrits, et parmi les 1000 inscrits, vous avez à peu près 1000 votants et 1000 suffrages valablement exprimés. Ça ne se fait nulle part au monde. Ça veut dire que vous dites que le monde est resté statique pendant 6-7 ans, personne n'est mort dans ce village, personne ne s'est déplacé, personne n'a fait ci, personne n'a fait ça. Monsieur Biya nous a servi ce genre de vote. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi il nous a servi ce genre de vote. Il y a eu un moment où j'ai déclaré que le professeur Kamto a eu 51 ou 52% de vote. Je vais vous dire pourquoi je l'ai fait. Je l'ai déclaré parce que, comme je centralisais tous les votes, les votes sont arrivés avec les 100% du sud, des coins du sud là. J'ai décidé de les mettre de côté, ces 100%. Et en les mettant de côté, ça me donnait 51% de vote. Mais comme ce n'était pas moi le destinataire final, il y avait un candidat, M. Kamto, quand je lui ai porté les résultats, il m'a dit, Paul Éric, tu es mon directeur de campagne, acceptons même le vol de M. Biya, donne-lui les 100%. C'est comme ça qu'on met dans les 100% que moi j'avais écarté, et finalement, ça fait baisser notre pourcentage. On parle donc de 51% à 38%. C'est ce qui s'est véritablement passé. Mais j'ai souffert le martyr de voir que dans les réseaux sociaux, les gens avaient capté, avaient fait des coupures d'écran pour dire des coupures de machin. Pour la contradiction entre pour vous. Faire la contradiction entre M. Kamto et moi. Personne n'a compris qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis de l'aile dure. Je suis de l'aile radicale. J'ai rejeté les 100% venant du sud. D'accord. Je ne voulais pas les comptabiliser. Mais M. Kamto a dit, mais non, mettez tout ça. Mettez même les 100%. Et moi, quand il me le dit, j'ai peur que nous échouons. Et on met les 100%, nous nous retrouvons à 38%. Mais seulement... Il a déclaré. Et maintenant donc, à 38%, nous nous rendons compte que M. Biya nous suit. Malgré le 38%, M. Biya est derrière nous. Donc, en fait, nous avons gagné l'élection. Et ça, c'est ce... je ne laisserai nulle part dire que M. Biya a gagné l'élection. D'accord. Je suis venu ici pour ça. Et il faut que les Camerounais gardent en tête que c'est Maurice Kamto qui a gagné cette élection. D'accord. Les Camerounais ont compris depuis le départ, depuis la
proclamation des résultats, cette position. D'ailleurs, le professeur Maurice Kamto a fait une déclaration. Il a d'ailleurs fait, je crois, une prestation de serment à l'issue de ce scrutin. Donc, ce n'est pas une position nouvelle. Reprenons dans le fil conducteur normal de l'élection, du moins de cette émission que j'avais prévu aborder avec vous. Avant le scrutin, pourquoi vous, Paul Éric, vous choisissez de vous rallier au MRC, à la coalition qui porte le candidat Maurice Kamto? Qu'à d'autres formations politiques, on sait ou alors on aura appris que vous aviez quand même d'autres tractations, vous avez d'autres possibilités. Pourquoi par exemple le MRC, pas le SDF? Bon, je voudrais vous dire que j'ai déjà répondu à cette question sur ce plateau pendant la campagne électorale. J'ai dit que mon choix pour le candidat Kamto était exclusivement dicté par son projet de société. Son projet de société me semblait suffisamment solide et suffisamment bien pour l'avenir de notre jeunesse, pour l'avenir du peuple camerounais et pour l'avenir de nos parents. Vous comprenez? Parce que moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que les parents n'ont plus d'avenir. Absolument. Donc le professeur Kamto avait un projet qui tenait et qui était solide. Et ce projet allait jusqu'à organiser les retraites des parents. Vous comprenez? Et j'ai regardé, j'ai lu entre les lignes les différents projets qui étaient, je veux dire, qui étaient exposés sur la place publique, c'est-à-dire dans les réseaux sociaux et autres. Mais celui du professeur Kamto m'a convaincu parce qu'il se rapprochait de mon projet. Moi, j'ai 120 propositions pour changer ce pays. Mais quand j'ai lu le projet de Maurice Kamto, beaucoup de choses parmi ces propositions se rapprochaient de mes 120. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, si son projet n'était appliqué qu'à 40%, le pays changerait. Parce que ce monsieur, vraiment, il faut le dire honnêtement, vous savez, monsieur le député, ce qui me caractérise, c'est qu'on ne m'emballe pas. Moi, on ne m'emballe pas n'importe quoi. Vous ne comprenez pas non plus. Non, on ne m'emballe pas. Je vous dis que moi qui ai d'ailleurs été trop critique vis-à-vis de M. Kamto, les gens sont surpris. J'ai d'ailleurs lu dans les réseaux sociaux, les gens disent que le colonel s'est soumis au caporal ou à machin. J'ai dit non, c'est une mauvaise lecture. Ces gars n'ont rien compris. En politique, les alliances sont quelque chose, c'est l'ADN de la politique. On ne va pas en politique parce qu'on veut faire forcément chemin seul. Quel est le contenu de cette alliance? De quoi parlez-vous? De comment se fait le rapprochement? Quels sont les termes de l'accord? Moi, j'ai lu le projet de M. Kamto. Et puis, j'ai dit, voilà. Comment se fait le contact d'abord entre vous? Non, le contact, c'est que M. Kamto et moi, on se connaît avant. D'accord. On se connaît avant, au sorti de votre première émission. La première émission où vous me recevez. Sur l'affaire Marafa. Voilà, M. Kamto me fait appeler par M. Foguet. Absolument. Pour me féliciter pour ma prestation devant vous. Et c'est comme ça que nous commençons à nous fréquenter. Jusqu'au moment où les élections sont en train d'approcher et de se rapprocher, et M. Kamto demande à me rencontrer. Et je dis qu'il n'y a pas de problème, M. Kamto est arrivé chez moi, nous avons échangé. Et au moment où M. Kamto me parle, il trouve que moi-même, je suis déjà convaincu par son projet. Et comme je n'étais donc pas candidat, il y avait un choix. Soit me taire et ne pas me jeter dans ces élections, et pour moi, j'aurais été coupable de complicité, de déstabilisation du Cameroun, parce qu'il faut le dire, parmi les candidats, il y avait des écoliers. Les écoliers politiciens là-dedans. Qui sont-ils? Non, je suis pas venu pour ça. Il y avait des écoliers. Et moi, je disais, mais non, attends, il faut porter quand même un projet qui est suffisamment structuré. Il faut que j'y apporte ma caution. Mais dans un premier temps, j'avais posé pour condition que les gars se mettent ensemble. Pour qu'on ait une candidature unique, mais qui est lourde et épaisse à la fois. Malheureusement, j'ai constaté que les écoliers ont brouillé le jeu politique tel qu'ils avaient leurs propres intérêts. Et je me suis dit, bon, au lieu d'attendre que ces enfants qui n'ont jamais fait politique et qui viennent de se découvrir brusquement politiciens perturbent le jeu politique, moi je vais apporter mon soutien à quelqu'un qui est mature.
mature d'abord parce que vous savez que c'était un avocat international, il a une forte expérience, il a été membre du gouvernement dans ce pays, il a été brillant avocat partout, et en plus maintenant, il avait, en plus de tout ceci donc... On ne il... pourrait pas non plus jurer de son expérience en tant qu'homme politique, c'est seulement en 2013 qu'il... Non, en politique, on se bonifie. Au moment où moi je faisais les critiques à M. Kamto, il n'était pas encore bon. Vous direz la force c'était de l'expérience. Du... Non, 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 c'était pas ça, c'était pas mon niveau. Mais au fur et à mesure, j'ai vu un gars faire 366 communes au Cameroun. J'ai vu le gars aller parler aux gens. J'ai vu le gars faire le sprint. J'ai vu le gars se bonifier au fur et à mesure. Adamou Ndamdé avant lui, comme Akere Mouna pendant la campagne. Non, Adamou Ndamdé n'était plus de... Non, je dis avant lui, les années antérieures. Je veux dire, pour dire que votre choix aurait pu aussi se porter sur Adamou Ndamdé qui avait fait déjà non, lors de ses précédentes campagnes. Pour moi, M. John Fundi et Adamou Ndamdé avaient déjà rendu d'énormes services à la politique camerounaise. Il était alors, temps vous essayez, vous discutez d'une collaboration, d'une coalition. Oui. Qu'est-ce que vous mettez sur la table? De quoi parlez-vous? Non, la première coalition, c'est que... Quelle proposition que vous faites? Est-ce que c'est... Là, je voudrais déjà dire que je ne trouve pas une coalition. C'est moi le premier... Oui, je veux dire... C'est moi le premier coalisé de M. Kamto. Absolument. C'est moi le tout premier coalisé de M. Kamto. Alors, je ne trouve pas une coalition. M. Kamto vient de faire la tournée nationale où il a fait 366 communes. Et quand nous nous asseyons, il n'a pas encore un autre allié. Donc, je suis le tout premier allié. Et nous nous mettons ensemble. Et quand nous décidons de nous mettre ensemble, dans cette affaire, nous disons que nous allons nous mettre ensemble jusqu'aux législatives et aux municipales. Parce que nous avons des points de vue politiques à quelques degrés près qui se rapprochent. Et nous avons donc décidé de signer une convention écrite qui dit que le MRC et le MPCN se mettent ensemble. Mais ça n'a pas été aussi... Ce n'est pas passé comme une lettre à la poste, puisqu'il fallait que j'aille consulter ma base. Et le bureau national du MPCN s'est réuni ici à Douala et à quoi? Et a donné, lui aussi, à 100% caution pour cette coalition. Parce que, voyez-vous, les gens... Ok, c'est vrai, je m'appelle Paul-Éric Kimet, j'ai un nom qui porte, mais attention, moi je suis porté par un appareil politique. Et un appareil politique qui est fait des gens qui réfléchissent, qui sont suffisamment sérieux et solides. Donc, nous avons fait tenir notre bureau national, extraordinaire, une réunion, une assemblée générale extraordinaire, et c'est au cours donc de cette assemblée générale extraordinaire que les membres du bureau national m'ont donné quitus de poursuivre la discussion avec le professeur Maurice Kamto et d'engager le MPCN dans cette alliance. Alors, dans et il ressort donc de ce contenu que nous allons battre campagne auprès pour le candidat Maurice Kamto et pendant les municipales et les législatives, là où le MPCN sera bien positionné, le MRC ne va pas investir de candidat pour nous soutenir et vice-versa. C'est-à-dire que là où le MRC sera bien positionné, nous, on va battre campagne pour le MRC. Donc, nous sommes donc sur cette plateforme. Mais comme je suis un homme de principe, je ne sais pas changer de position. Moi, j'ai lu dans les réseaux sociaux depuis 3 jours que Paul-Éric King se désolidarise de M. Kamto. Je suis venu dire aux Camerounais aujourd'hui que je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je ne suis pas genre de G20 là. Moi, j'appartiens pas à ces gens de G20. G20, comment? Oui, ces gens qui peuvent vendre leur âme à tout moment. Moi, j'appartiens pas à cette classe d'hommes politiques. Donc, vous réaffirmez votre fidélité. Je dis que ce n'est pas une affaire de fidélité. Je réaffirme mon engagement à respecter les termes, n'est-ce pas, de la convention qui me lie au MRC. Ça veut dire que vous dites MRC, vous dites MPCN. C'est comme ça que ça va. Sous quelque forme que ce soit, depuis 2 ou 3 jours, vous en avez parlé avec le professeur Kamto. Pardon? Sous quelque forme que ce soit, SMS, WhatsApp, téléphone, rencontre, vous n'avez pas discuté avec lui. Depuis 2 ou 3 jours que... Depuis 2 jours, hier, j'ai échangé avec le professeur Kamto. D'accord. Avant-hier même, d'ailleurs. Et quand la polémique a commencé à s'enflammer, nous sommes des adultes et nous sommes des leaders de partis politiques. Quand ça ne va pas, Il m'a fait un mail. J'ai pas besoin de montrer ce mail ici. Il m'a fait un WhatsApp.
J'ai pas besoin de montrer ce WhatsApp ici. Il m'a dit pourquoi. Bon, il m'a dit qu'il a suivi, bon, mais comment vous appelez ça, ma sortie dans les réseaux sociaux, et qu'il pense que, bon, il y a eu malentendu, parce que s'il m'a donné des raisons, j'ai pas besoin de les dire ici. Je pense que même dans une famille où il y a des jumeaux, il peut arriver qu'il y ait des incompréhensions. Mais en réalité, ces incompréhensions ne peuvent pas remettre en cause la fraternité, l'amitié, les engagements initialement pris. Donc, je voudrais réaffirmer devant les Camerounais que le MRC et le MPCN vont faire chemin ensemble. Jamais moi, Paul Eric Kingé, jamais le MPCN ne trahira le MRC, et vous pouvez être sûr. Dans vos explications récentes, il vous l'a clairement dit. Il a clairement dit. Vous voulez que je vous dise quoi? C'est-on jamais? Non, je vous le dis, le professeur Camp, je suppose qu'il est en train de me suivre. Je dis que c'est lui qui est le premier à m'écrire hier matin. Pour me dire, Paul Eric, bon, la polémique qui s'enflamme là, s'il te plaît, je sais qu'il y a eu de petites fautes, de petites erreurs de ma part, mais je pense que vraiment, on règle ça. Et puis, moi, j'ai son message. Alors, voilà. Pour revenir à la période de campagne, au fur et à mesure que la campagne, ou du moins la pré-campagne, évolue. Vous avez de nouvelles personnalités qui arrivent, qui se joignent à vous. Albert Zongan, Akere Mounan, bon, peut-être dans une moindre mesure, Célestin Ndiamen. Non, il est marginal. Il est important de dire qu'il ne s'est pas relié à nous, il est militant du MRC. C'est nous qui l'avons retrouvé dans son parti. Alors, vous êtes le premier à vous mettre en coalition. Avec le professeur Maurice Kamba. Vous discutez de l'arrivée des autres. Oui, avec le professeur. Oui. Albert Zongan. Oui. Akere Mouna. Oui. C'est vous qui décidez des rôles qui vont jouer? Non, comment ça se passe? Non, c'est pas nous qui décidons. Ça se passe comment? C'est pas nous qui décidons, c'est pas moi qui décide des rôles. C'est le professeur Kamto qui décide des rôles qu'ils doivent jouer. Mais avant, il faut que je rectifie, avant Zonga et Akere Mouna, il y a d'abord eu Penda Ekoka. Absolument. Penda Ekoka arrive exactement 7 jours après moi, 7 ou 8 jours après moi. Et l'arrivée de Penda Ekoka étoffe le groupe. C'était déjà une coalition. Maintenant, dès le début, alors que le même jour où le professeur Kamto me nommait directeur de campagne, il annonçait l'arrivée probable de M. Zongan, qui lui était donc occupé par... Si vous permettez, on va y aller au fur et à mesure. Non, s'il vous plaît. Pendekoka arrive. Pendekoka arrive. Pendekoka, voilà. Mais je dis que avant l'arrivée de Pendekoka, le professeur Kamto annonce déjà l'arrivée de Zongan. Okay. Qui lui était très occupé encore par les affaires du décès du patriarche Kadji. Okay. Et donc, qui s'était excusé. Là, je vous donne exactement le film. La chronologie. Bon, mais maintenant, Zonga n'est pas arrivé avant Ekoka. Donc, Zonga arrive donc après, parce que peut-être il était très très occupé du côté de l'Ouest à organiser les funérailles, je ne sais pas trop bien quoi, du patriarche Kadji. Donc, Penda arrive. Et nous allons dans notre premier meeting, le meeting de Douala, et on fait le meeting de Douala ensemble avec Penda Ekoka, mais avant ça on avait déjà fait d'autres meetings. Donc maintenant, après l'arrivée de Penda Ekoka, les tractations avec Mouna commencent. Non, d'abord les tractations avec Matumba commencent. Les tractations finissent par ne pas tenir les promesses. Maintenant, les tractations avec Mouna, parallèlement, sont en train de se faire. Et donc, alors que nous attendons que Mouna nous rejoigne, Mouna ne nous rejoint toujours pas, parce que il faut que les Camerounais le sachent. Hein, les gens passent le temps à dire qu'on veut diviser. Vraiment, si on ne dit pas la vérité, pourquoi les Camerounais aiment toujours qu'on leur mente? Parce que peut-être... Non, s'il vous plaît, vraiment, non. C'est l'occasion ce soir de le... Non, s'il vous plaît, il ne faut pas qu'on mente aux Camerounais. Mon rôle aussi est un rôle de veille. Mon rôle est un rôle d'éclaireur. Le professeur Kamto a pris attache avec le professeur Mouna, avec le maître Mouna, plusieurs jours avant. Mais les tractations étaient difficiles, parce que, de toute façon, alors qu'au début... Maître Mouna se disait très très ouvert à coaliser avec tout le monde, avec celui qui le voudra.
mais il a suffisamment traîné le pas pour ne pas donner la bonne visibilité à la coalition. Vous étiez dans le doute par rapport à cette position-là. Non, mais on est resté jusqu'au jour, jusqu'au soir de l'élection. Le samedi. Le samedi. C'est le samedi à 19h15 que moi je reçois le professeur, Maître Mouna, Alice Sadio et Paul Maël et Longuet Longuet et toute l'équipe qui accompagnait Maître Mouna. Il était 19h15. La campagne devait s'arrêter à minuit. Quand quelqu'un arrive à une élection, à une... quoi, parce que le rôle de la coalition, c'est d'abord quoi? C'est de vous faire voir en groupe. Absolument. Ça a un effet psychologique sur les populations. Tout au long de la campagne, personne ne nous a vu avec Akere Mouna jusqu'au soir du vote. Je veux dire, jusqu'au soir, jusqu'à la veille du vote. Samedi 21 octobre. Samedi, non, samedi 6 octobre. 6 octobre, pardon, parce que le vote était le 7. Alors, personne ne nous a vu avec Mouna. Je voudrais vous dire que ça pouvait changer le cours des choses. Si vous étiez tout au long. Oui, c'est-à-dire que si on voyait finalement une équipe, Mouna de l'autre côté, Zonga de l'autre côté, Paul Eric King est de l'autre côté, Pendaeko Kalaba, nous avons même eu Jules Nyonga, entraîneur de Lyon, qui s'est rallié à nous. Nous avons eu Valsero, qui s'est rallié à nous. Nous avons eu Essama, le compatriote Essama, qui s'est rallié avec nous. Nous aurions souhaité avoir Maître Mouna avec nous. Mais moi, j'ai lu la réaction de Mme Alice Sadio. Vous pourrez la recevoir, elle dira ce qu'elle aura à dire, parce qu'elle ne connaît rien de tout ça. Elle va dire qu'elle faisait partie de la cuisine interne. Mais moi, ce n'est pas la cuisine interne qui compte dans cette affaire. Ce qui compte dans cette affaire, c'est à quelle heure vous êtes arrivé sur le podium. C'est moi qui les accueille, il est 19h15, le samedi. Et pour moi, j'en discute avec le professeur. Je demande au professeur, mais prof, est-ce que ça nous est encore utile? Il me dit, Paul Eric, allons-y. Bon, allons-y. Vous savez, ce qui caractérise Kamto, c'est quand même sa pondérance et sa tolérance sur un certain nombre de choses. Et il a accepté ça. Mais en dessous, nous savions, puisque nous discutions, nous savions que Mouna posait des conditions dures. Puisque nous avions un groupe de discussion. Il posait des conditions suivant lesquelles, un, il doit être premier ministre, on lui concédait ça. Ça ne nous gênait pas, puisque, que ce soit pour le professeur Kamto, ou pour moi, ou pour Pendai Koka, l'important n'était pas les postes. Il posait donc ça comme condition. Ensuite, il posait pour condition de lui rembourser tout son argent de campagne. Parce que ça, quand les Alice Sadio Baval, là, elles ne savent pas, c'était des conditions que nous, on étudiait. Enfin, il posait pour condition qu'on lui donne le ministère de la Défense, le ministère des Finances, le ministère des Relations Extérieures, le ministère de l'Économie, mais qu'on lui donne aussi le fameux ministère de la Police, comment vous appelez ça? La DGS. La DGS. La délégation. Donc du coup, dans les militaires de poste de souveraineté. Le ministère de souveraineté, si monsieur mon avis, je suppose qu'il est un homme honnête, qu'il le dise à Alice Sadio. Qui le disent à Alice Sadio. Ce n'est peut-être pas le moment de venir dire ça, mais il est important que les Camerounais soient éclairés. Mon rôle, c'est de les éclairer. Donc, et face à ces exigences, alors que nous étions au nord, nous en discutions déjà. En Gandéré, on en discutait déjà. Alors, c'était des exigences quand même suffisamment fortes. Mais il y avait également une disposition où il disait que, en cas d'empêchement du président, il devient président. Bien que Premier ministre. Bien que Premier ministre, c'est-à-dire exactement comme l'ancien texte qui a fait de M. Biya le président de la République. Puisque le Premier ministre était successeur constitutionnel du président de la République. Donc ça sous-entend qu'une fois au pouvoir, vous aurez changé la constitution. Mais attends, la première des choses, cette constitution n'est pas bien. Non, elle n'est pas bonne. Il faut dire aux Camerounais que c'est une poursuivant le fil. C'est une autre mauvaise constitution, il faut le dire. Poursuivant le fil. Voilà, donc il faut forcément toiletter cette constitution. Absolument. Donc maintenant, à ce niveau-là, ça freinait suffisamment, alors que nous étions dans l'attente de monter sur le podium à Edea, à Ngaoundéré, à Garoua, partout, avec Maître Mouna. Nous ne l'avons pas vu. Et
j'en veux pour preuve, les mathématiciens parlent de la preuve par 4. J'en veux pour preuve, quand l'élection finit, ils s'envolent. Je voudrais vous dire que Maître Mouna, si Maître Mouna était allé, comment vous appelez ça, Addis Abeba, avec le professeur Kamto, le carnet d'adresse de Maître Mouna et celui du professeur Kamto aurait fait basculer les choses. Parce qu'il y a une rumeur qui fait circuler que Maître Mouna est l'ami de Paul Kagame. L'actuel président de l'Union africaine. Ah, il est président du Mais où est-il passé pour qu'il n'aille pas rencontrer son ami? Vous a lâché. Pardon? Vous dites que Akere vous a lâché après. Non, moi j'aime pas les mots durs. Il s'est simplement fait invisible. Parfait. Il s'est fait voir pendant 3 heures. Et après les 3 heures, il est venu au Conseil constitutionnel. Il a pris la parole pour le petit temps qui lui avait été imparti. Il est parti. Mais moi, je vois partout dans la presse la coalition Akere Mouna Maurice Kamto. Je ne sais pas. Peut-être que nous, on travaille et on ne nous compte pas. Donc pour vous, ça n'a pas de contenu. Non, je veux dire que peut-être que nous, on travaille et on ne nous compte pas. Parce que pendant que le professeur Kamto est en train d'enflammer les foules à Bafoussam, moi, je suis en train d'enflammer les foules dans le Mungo. Et ces vidéos existent. Au point où, à un moment donné, les gens ont eu l'impression qu'il y avait 2 candidats. Parce qu'en même temps qu'ils faisaient les foules là-bas, moi, je faisais les foules de l'autre côté. Donc, il faut que les Camerounais soient édifiés pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Ces journalistes qui ont passé leur temps à écrire « Coalition Akere Mouna Kamto » étaient à côté de la plaque. Il faut que je le dise. Et le professeur Kamto ne peut pas me contredire au moment où je vous parle. S'il est en train de nous suivre, Pendai Koka ne peut pas nous contredire s'il est en train de nous suivre. D'ailleurs, je signale que mon téléphone, il est ouvert. Hein. Et je dis donc que M. Zonga... On va pas mettre le numéro à l'antenne, mais je veux dire qu'eux savent... Et M. Zonga, rejoindons pour la première fois à l'ouest M. Kamto. Vous comprenez? Absolument. Et donc, ce que nous avons d'ailleurs apprécié. Alors, on a eu quelques détails de l'accord, ou alors des contours de discussion Kamto-Mouna. Quels sont les contours avec Zonga? Lui, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il exige? Non, non, non. Monsieur Zonga n'a pas fait de surenchère. En réalité. Je préfère vous le dire. Il faut que les Camerounais le sachent. Absolument. Il n'a pas fait de surenchère. Voilà, c'est un patriote, un vrai patriote, et qui a décidé d'entrer dans le jeu. Il n'y a pas eu de surenchère avant. Par conviction. Oui, non, bon, peut-être par conviction, mais de toute façon, je l'ai vu entrer dans le jeu. Et d'ailleurs, le professeur Kamto avait déjà annoncé son arrivée, comme je vous l'ai dit. Donc, mais je vous dis qu'il y a eu de la surenchère du côté de Mouna. Et ça, c'est ce que les Camerounais doivent retenir. Si le professeur Mouna, si Maître Mouna veut contredire, qu'il vienne contredire. Et tout le monde va l'entendre. Il y a également eu une séquence quand même assez marquante, hein, qui a d'ailleurs donné l'impression que il y a eu trahison entre l'échange entre votre groupe et celui de Serge Espoir Matomba avec des photos qui ont circulé. Ces photos étaient montées de toutes pièces. Ça, c'est n'importe quoi. Non, vous savez, on était à une période où... Très sensible. Très, très sensible. Ça, c'était des photos montées de toutes pièces. On a dit, le professeur Kamto a voulu corrompre Matomba. Le professeur Kamto n'a jamais voulu corrompre Matomba. L'argent que vous voyez circuler, l'argent que vous avez vu dans ces photos, c'est l'argent qu'on remettait à Okala et Bodé pour qu'il aille payer pour des scrutateurs. C'était pas l'argent pour M. Matomba. C'était vraiment un montage de mauvais goût. C'est un montage qui a semblé vexé. Mais Serge Espoir Matomba a quand même dit que ces photos ont été mises en circulation par des gens qui seraient proches du professeur Mouna. Non, je ne peux pas. Il a vulgairement dit par le camp. Au moment où ça se fait, nous, on est à Douala. D'accord. Vous comprenez? Le professeur Kamto revient du Nord. Et il doit rejoindre Douala pour le meeting. Mais comme il y a un problème de scrutateur, le professeur Kamto demande qu'on remette l'argent à un de ses collaborateurs pour les scrutateurs de la dune des zones. Vous comprenez? Donc, en fait, qui a fait la photo, qui n'a pas fait la photo, mais visiblement, j'ai eu l'impression que c'était des photos qui visaient effectivement
à déstabiliser. Mais avez-vous une idée de personnes qui, ou alors de la personne qui réalise cette photo-là? Je ne peux pas le dire. Avec du recul, vous pouvez le dire. Je ne peux pas le dire. Je voudrais vous dire que le travail d'un directeur de campagne est suffisamment harassant. Avez-vous une idée de ce type de détails là? Avez-vous une idée de celui qui met les photos en circulation? Je ne peux pas savoir. Non. Je ne peux pas savoir. Mais ce que je sais, c'est que le professeur Kamtoana a été suffisamment touché. Parce qu'en réalité, lui-même ne sait pas d'où venaient les photos. Mais véritablement, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que cette coalition entre Matomba et Kamto se fasse? Je ne sais pas. Quels étaient les termes des... Non, je ne sais pas. Je vais vous dire pourquoi je ne sais pas. Vous avez... Ok, justement. Je vais vous dire pourquoi je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, en réalité, c'est des démarches très tardives. Okay. Des démarches qui arrivent au moment où moi, je suis déjà en train d'aller battre campagne ailleurs. Vous comprenez, c'était trop tardif. Moi, je dis que lorsqu'on est sérieux et qu'on veut vraiment faire une alliance, avant que le corps électoral ne soit convoqué, les discussions commencent et vous acceptez. Mais attendez, Serge Espoir Matomba, c'est mon jeune frère. S'il me suit, il est en train de nous suivre. À l'hôtel Le Watt, alors que je séjourne à l'hôtel Le Watt, il est venu me voir. Et mes jeunes sont en bas en train de nous suivre. Il est venu me voir pour me dire de faire alliance avec lui. La première chose que je lui ai demandé, c'est que comment feras-tu pour gagner une élection, pour avoir même 5% à une élection au Cameroun? Je lui ai posé cette question. Il était avec une jeune dame dont je préfère taire le nom. Comment feras-tu pour avoir 5%? Parce que si moi je me rallie à toi, je vais t'apporter au moins 10%. Toi-même, tu vas apporter combien? Parce que il faut. C'était des candidatures inutiles. S'il vous plaît, c'était des candidatures inutiles. Si tout ce monde-là se ralliait derrière le professeur Kamto, ce serait complètement différent. En fait, ils ont voulu faire leur jeu et ils ont fait leur jeu. Ben, je signale leur jeu. Contrairement au moins, professeur Kamto, j'espère, est un élu. Mais c'est un élu local. Mais on peut être élu. Non, je veux dire qu'il a quand même la possibilité de mobilisation. Non, non, il n'a pas cette capacité de mobilisation. La preuve, c'est que si vous avez suivi toute la campagne, il n'y a nulle part où il a mis du feu. Il n'y a nulle part où il a mis du feu. C'est-à-dire que ce qui doit caractériser les hommes politiques au Cameroun, c'est d'abord l'honnêteté. Qu'est-ce que je pèse? Qu'est-ce que je peux apporter? J'ai l'impression que les gens vont dans les élections présidentielles pour avoir une carte de visite, ancien candidat à la présidentielle au Cameroun. Mais ça, en politique, ça ne marche pas. Il faut savoir se peser soi-même et voir ce qu'on vaut. Si on sent qu'on ne peut pas, on se rallie. On se rallie. Ça, c'est donc. On n'est pas tenu d'être candidat à une élection. Ça, c'est la phase pré-campagne. Non, et même on a fait la phase campagne puisqu'on a parlé du 6 jusqu'au ralliement de Akeremona. On va évoquer le scrutin et l'après-campagne. Mais je voudrais quand même prendre cette précision de Angelbert Lebon-Diachoa, que vous connaissez certainement, qui est très proche de Maurice Kamto, qui nous fait cette réaction. Il faut que le professeur, il faut que Paul-Éric Ignace se limite à ses compétences. Il ne peut pas s'attaquer à Akeremona. Il est loin de s'imaginer le rôle que joue Akeremona dans le plan de résistance nationale. Vous avez une réaction? Je vais vous dire quelque chose. Oui. Vraiment, M. Diachoa, avec le respect que j'ai pour lui, il y a des choses que je refuse de dire ici. Mais lorsqu'il me verra de côté, je lui dirai que lorsque je tiens ce discours, ce n'est pas un discours qui vient de Paul-Éric Kigné uniquement. Donc il faut qu'il se limite lui aussi dans ses réactions. S'il vous plaît, je dis qu'il faut qu'il se limite à cette réaction. Pour la simple raison que s'il veut savoir ce que pensent les alliés, alors il se retrouvera minoré dans cette affaire. Il va se retrouver non seulement minoré, mais minoritaire. Maurice, quand on pense comme vous, parlant d'Akeremona, je dis qu'il y a des choses que je ne vais pas dire ici. Vous comprenez? Je dis qu'il y a des choses que je ne vais pas dire ici. Mais M. Diachoa n'était pas un allié. M. Diachoa est un collaborateur de M. Kamto, de quelque manière que ce soit. Mais M. Diachoa n'est pas un allié. Il faut qu'il sache qu'il y avait des discussions au sommet. Et parce qu'il y avait des discussions au sommet, il n'était pas à ces discussions. Mais il peut ne pas savoir qu'est-ce qui se disait dans ces réunions. D'accord. Donc je préfère ne pas dire un certain nombre de choses ici.
de peur que les gens disent la veille de Marge King vient raconter des histoires. Non, je dis que nous avions besoin de... Mais écoutez, Valfero ne s'est pas fait prier pour ça. Aussitôt que j'ai pris fonction, Valfero était là quand je prenais fonction à Oja. Mais 4 ou 5 jours après, il nous a rejoints. C'est pareil pour Essama. Nous avions besoin d'un groupe de personnes qui s'affichent pour avoir un effet psychologique sur le peuple camerounais qui n'attendait que ça. Parce que la vérité, c'est qu'il y a eu 2 millions et poussé d'abstention. Ça pouvait être des abstentions, une abstention due au fait que les gens se disent, comme ils ne se sont pas mis ensemble, il vaut mieux qu'on n'ait pas voté. Absolument. Bon, quand M. Dachua tient ce discours, il faut qu'il sache que moi, je n'étais pas là dans cette coalition comme un militant. Moi, j'étais dans cette coalition comme un décideur. Il y a des choses que les décideurs peuvent se dire. Vous ne pouvez pas lui enlever sa proximité avec le procès. Non, attention. Je veux dire que sur notre plan, non, s'il vous plaît, a quand même il n'était pas dans le cadre de cette élection, il n'était pas plus proche du professeur que moi. D'accord. Vous comprenez? Alors, il n'était pas plus proche du professeur que Ekoka. Politique. Donc il faut qu'il se limite à ses observations. On va encore. Et s'il veut, il m'appelle, on en parle. On a encore la phase élection et post-résultat à évoquer. Mais pour terminer définitivement cette phase d'avant-élection jusqu'au 6 octobre. Oui. En quelques mots, quel est le rôle précis de chacun des acteurs? Pédé Koka, quel est le rôle qu'il joue avant cette période? Albert Zongan, Akere Mouna, on vous sait directeur de campagne, mais en quoi consiste le rôle de chaque allié dans cette période? Akere Mouna était le directeur de Pédé Koka était le directeur de stratégie. D'accord. C'était lui le directeur de stratégie. Moi j'étais directeur de campagne, il était directeur de stratégie. Ok. Parce que ceux qui parlent là, il faut bien qu'ils sachent c'est que Pédé Koka était le directeur de stratégie. En quoi consiste sa stratégie? Les stratégies, donc, c'est tout ce que vous voyez, c'est-à-dire que... Organisation de meeting, planification de sorties. Non, là-bas c'est... Je dis planification des déploiements. Non. Les stratégies, le plan par exemple de résistance, d'accord. Ça c'est des stratégies qui sortent de lui. Mmh. Vous comprenez? Absolument. Donc voilà le rôle de Pédé Koka. Non, ne faites pas ci, ne faites pas ça, parce que je pense que, sur le plan stratégique, c'est lui qui dirigeait les stratégies. Et en cas de victoire, du moins, si d'aventure Maurice Kamto prenait véritablement le pouvoir, que seriez-vous devenu? Pédé Koka, Paul Eric King, Albert Zongan, les amis? Non, nous n'allions pas dans cette affaire pour des postes. D'accord, c'est bon, c'est moi aussi. On n'allait pas dans cette affaire pour des postes. On allait pour le peuple camerounais qui souffre. Nous tenions absolument à faire changer les choses. Vient donc l'élection en elle-même. Le 7 décembre, tout le monde se mobilise. On va au vote. Ça traîne 2 semaines. Et puis les premiers résultats, les premières contestations. Qu'est-ce qui est la première alerte chez vous? La première alerte, c'est d'abord le fait que la loi n'est pas respectée dans son entièreté. La loi n'est pas respectée, c'est-à-dire que la loi qui fixe la loi portant sur l'ELECAM, je ne sais pas trop bien quoi, sur l'affichage public. Absolument. Pendant les élections, vous avez dû constater que le candidat d'en face avait envahi le pays d'affiches. Alors, ELECAM a laissé ça, alors que la loi obligeait ELECAM à aménager des espaces pour tous les candidats et de manière équitable. Absolument. Et moi, j'avais écrit à cette époque, et j'ai signé, Maître Nsim s'est chargé de cette correspondance, j'ai saisi ELECAM pour demander, j'ai même sommé ELECAM par voie du CIE, pour demander qu'ils aient à descendre ces affiches, et qu'ils donnent donc, n'est-ce pas, la chance à tous les candidats, c'est-à-dire à Kapalibi, à Matomba, et aux autres, pour que tous les candidats aient les espaces équitables, pour que, effectivement, la campagne soit équitable pour tous. Or, à partir de ce signe, j'avais compris que ELECAM était résolument décidé de faire passer M. Biya, parce qu'un organe indépendant d'élection ne peut pas accepter ce genre de choses. M. Biya avait mis des affiches jusqu'aux poubelles. Vous avez vu des affiches sur les poubelles ici au Cameroun. Ça dit qu'il avait tellement confisqué l'espace public qu'il n'y avait pas un autre endroit où les autres pouvaient mettre des affiches. Et ça, nous avons compris que voilà ça qui commence. Et ça risque de se compliquer. Et nous avons vu, ça c'était le premier déclencheur. Et ce déclencheur, moi j'ai sommé par voie du CIE, ELECAM, d'avoir à descendre les affiches de M. Biya pour permettre à tous les autres candidats
d'avoir à jouer, d'afficher, de faire leur campagne publicitaire. Avec tout, vous décidez de jouer le jeu à fond. Alors, vous observez le dépouillement, tout ce qui se passe dans les différentes commissions, jusqu'à la proclamation des résultats. Monsieur le député, Monsieur Comte ne s'est pas trompé. Monsieur Comte ne s'est pas trompé, c'est un juriste, c'est un avant-gardiste. Et je vais vous dire, je vais vous prendre une histoire qui se rapporte à la mienne, à moi. L'année où je vais aux élections en Djombé Pendia, j'ai pour adversaire, non pas le SDF seulement, non pas l'UNDP seulement, non pas l'UPC seulement, et les populations de Pendia me suivent, mais le sous-préfet et le préfet. C'est-à-dire que... Non, s'il vous plaît. Alors que j'étais candidat du RDPC. C'est-à-dire que le sous-préfet et le préfet venaient battre... Gambo Aman, qui semble être votre ami, était venu battre campagne à Pendia. Vous n'êtes pas moi, mon ami. S'il vous plaît. Il était venu battre campagne à Pendia avec le sous-préfet pour dire que tout le monde doit passer sauf Paul Eric King. Gambo Aman nous suit. Alors que je savais que le terrain était hostile, je suis allé quand même à l'élection. Mais comment vous l'expliquez? Pardon? Comment vous expliquez que vous, candidat RDPC à la mairie de Ndjombe Pendia, vous n'ayez pas ce soutien? Non, parce que les gars savaient, ils voulaient des maires manipulables. Je vous ai dit comment ça se passe là maintenant. Est-ce que vous savez que le maire de Pendia salue tous les sous-préfets qui sont passés en s'agenouillant, alors qu'il est premier citoyen de la ville? Il est le premier magistrat de la ville. Donc, les gars n'aiment pas des personnalités qui ont une forte aura. Donc du coup, ces gars sentaient que les petits vols qu'ils devaient faire à la commune de Pendia, avec moi, ça ne pouvait pas passer. Et les gars se sont mis à lutter contre moi. Vous comprenez? Donc je n'avais pas pour adversaire seulement le SDF et l'UNDP et l'UPC, mais j'avais pour adversaire le sous-préfet. Et donc, pas seulement le sous-préfet, mais M. Gambo Aman, le préfet, qui avait d'ailleurs, dans les dossiers du tribunal, on m'a sorti tous ses écrits, hein, pour étayer, quand le procureur voulait étayer, pour dire que M. King ne devait pas être là, il a sorti les rapports de M. Gambo Aman en plein tribunal, où il écrivait au comité central que tout le monde peut faire passer le RDPC, sauf Paul Eric King. Je savais que j'étais en terrain difficile, alors que j'étais militant du RDPC. Le RDPC ne m'a pas aidé sur le terrain. Mais c'est parce que j'étais trop fort. Alors vous prenez cet exemple pour dire quoi? Je prends cet exemple pour savoir que, pour dire que M. Kamto savait bien que ça ne va pas être facile, mais il a décidé de jouer le jeu à fond. Et nous avons joué le jeu à fond. Ce n'est pas parce que vous savez que vous avez des adversaires redoutables, ou alors que le terrain n'est pas favorable, que vous devez baisser les bras. Alors je vais rapidement passer les séquences. Hein. La proclamation est faite, les résultats sont connus, vous allez jusqu'au conseil constitutionnel. Le conseil dit que le président, c'est le vainqueur, c'est Paul Biya. Paul Biya prête sa main le 6 novembre et la vie continue. Mais entre-temps, vous allez au niveau africain. À ce jour, quelle est la suite de cette démarche-là? Ce n'est pas mon rôle ici de dévoiler qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais soyez rassurés que bien des choses sont en train de se faire. D'accord. Pour finir cette phase, je prends cette autre réaction. Paul Eric King ne peut pas dire qu'il a coalisé sans savoir ce qu'il attendait en cas de victoire. De même pour Ekoka et d'autres. Qu'il dit ce que chacun d'entre eux allait avoir. Avez-vous, je veux dire, dans le cadre de votre coalition, discuté, peut-être, vous avez été fait directeur de campagne. Je présume que quand vous êtes allé voir le professeur Kamto, vous avez déjà vu une élection qu'un candidat gagne et son directeur de campagne n'est rien. Mais c'est une évidence. Que devriez-vous être? Non, je ne devrais pas. Écoutez, vraiment, ce n'est pas le lieu de le dire. Je veux que les gens sachent que je ne devrais pas être pousseur à Pendia, en tout cas. Ça, c'est sûr. Il y avait également un volet financier. Vous avez des propositions? Non, il n'y avait pas de proposition financière. D'accord, c'est juste. Je devais être un des décideurs de cette République. Parce que la République a besoin de gens comme nous. D'accord. Des gens qui doivent faire bouger les lignes. C'est clair. Et bon, je veux dire que les autres, c'est pareil, qu'il y avait quand même... Mais c'est pareil pour les autres. Écoutez, quand vous... nous avons vu les élections partout. En Côte d'Ivoire, on a vu les Bakayoko soutenir Ouattara. Aussitôt que Ouattara est passé, les cartes ont été reparties. Mais la différence, c'est que nous ne venions pas manger. Nous venions attacher la ceinture. Nous venions bouleverser pratiquement tout.
Parce que le professeur Kamto était engagé dans une logique telle que, aussitôt qu'il prend le pouvoir, je vous assure, ça devait être très, très, très difficile pour les gens, les fonctionnaires et les gens qui avaient des portefeuilles à gérer. Alors, personne n'aurait les faveurs que les ministres de Paul Biya ont aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui organisent la Coupe d'Afrique des Nations avec 2000 milliards et qui les font disparaître sans qu'il y ait une seule enquête. Alors, vous décidez donc, au regard de toutes ces démarches, de mener un certain nombre d'actions pour récupérer votre victoire, ce que vous appelez le hold-up électoral. Ouais. Ça fait partie des stratégies de contestation proposées par le stratège Maison. Oui, tout à fait. Je veux d'abord vous rassurer. Angébert, puisqu'on discute de temps en temps, il garde quand même toute votre amitié. Je veux dire que tout à l'heure, c'était pas une passe d'armes entre vous. Non, ça ne peut même pas être une passe d'armes. Moi, écoutez, je suis suffisamment mature pour comprendre que je suis l'allié de M. Kamto. M. Penda est l'allié de M. Kamto. Les autres sont les alliés de M. Kamto. Il y a des choses que les alliés peuvent se dire sans que les amitiés proches de Kamto soient au courant. D'accord. Voilà. Alors, comment je dois savoir, et ça c'est une personnalité qu'on a quand même vue également au front, le professeur Foggy, quel rôle a-t-il joué? C'était la plaque tournante de cette élection. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est lui qui gérait la logistique. Ok. C'est lui qui gérait la logistique. N'oubliez pas que le professeur Foggy est avant tout, le responsable financier. Le responsable financier du MRC. Mm-hmm. Ouais. C'est lui qui assurait la logistique. Et ça, je peux vous dire, j'ai beaucoup d'admiration pour ce monsieur. Parce que tout au long des élections, je ne sais pas s'il a dormi 10 heures de temps. Tout au long des élections. Parce qu'il était sollicité sur tous les fronts. Et je lui réitère mon amitié et vraiment mes félicitations. Alors, la stratégie est définie. Est-ce que unanimement, tous ceux qui sont autour du professeur Kamto épouse ces stratégies de contestation? Bon, écoutez, je me suis suffisamment exprimé sur cette question. Non, je voudrais, permettez-moi, je me suis exprimé sur cette question. Je vous ai dit que à un moment donné, nous avons arrêté de faire un certain nombre de choses ensemble et ces choses ne se sont pas faites comme nous le souhaitions. Ça aussi, ça peut arriver dans une organisation des humains. Mm-hmm. Bon, du coup, j'ai vu les gens enflammer une histoire dans les réseaux sociaux qui n'avait pas le droit d'être enflammée. C'est-à-dire que, parce que j'ai dit que nous étions... Écoutez, au départ, moi, je fais partie des gens de l'aile dure. Et dès le début, c'est même la condition que je propose, je dis à M. Kamto, que je pose à M. Kamto. Si vous voulez que je travaille avec vous, si vous voulez que je sois votre directeur de campagne, alors laissez-moi donner les coups et encaisser les coups. Vous, nous devons vous mettre à un sommet où vous vous taisez. Parce qu'un président ne s'en parle pas. Un candidat à la présidentielle, ça garde la hauteur. Absolument. Moi, je vais prendre des coups et des contre-coups. Puisque mon rôle me met à l'avant-garde de la campagne. Et donc, mais seulement... Moi, je fais partie des gens qui pensent que ce régime ayant fait 36 ans, il faut le brutaliser. Il faut le brutaliser. C'est-à-dire que ces gens-ci ne comprennent que le langage de la violence. Brutaliser verbalement, physiquement. Non, ça peut être verbalement, ça peut même être physiquement. Je vais vous dire quelque chose. Si un régime comme celui-ci, nous occupons toutes les rues de Yaoundé, de Douala, du Cameroun, pendant un mois, ce régime fuit. Ce pas des gens normaux. Les gens qui nous dirigent là, ce n'est pas des gens normaux, c'est des extraterrestres. Mais je note quand même que... Non, s'il vous plaît, monsieur Dipita Tongo, allez-y. Permettez-moi d'aller au bout de ma pensée. Vous savez que depuis que les gars du sud-ouest font ce qu'ils font là, et du nord-ouest, le gouvernement a concédé, par la force des choses, un certain nombre de faveurs qu'ils n'étaient pas prêts à concéder, vous le savez. Ça veut dire que c'est un gouvernement qui ne comprend que le langage de la violence. C'est un gouvernement qui ne comprend que le langage de la violence. Et pour cela, moi, ma vision, c'était que ces gens-ci, alors que le fait chauffe encore, il faut les brutaliser. Moi, je me souviens quand même que lors de votre campagne, tout au moins comme maire, parce que vous avez évoqué cette séquence, le secrétaire général adjoint du RDPC s'était allé à vous
Grégoire Ronan pour vous soutenir dans vos démarches. Puisque vous dénoncez tout à l'heure préfet et sous-préfet. De ma campagne? Pendant la mairie, pendant les municipales, vous avez été élu maire. Non, c'est faux. Vous avez eu un soutien. Non, j'ai pas eu de soutien de. Non. Écoutez, permettez-moi de rester. Je suppose que M. Grégoire Ronan nous suit. Certainement. Grégoire Ronan arrive à Pendja, ensemble avec Bapes, avec Etam et Massoma, et avec un ensemble d'autres ministres, parce que entre temps, moi je suis déjà maire. Grégoire Ronan et moi, on ne s'est jamais rencontrés avant. Non, c'était parce que j'étais maire. Mais ils reviennent à Pendja pourquoi? Parce qu'il y avait. On avait annulé la Cour suprême avait annulé l'élection des députés dans le Mungo Sud. À cause de la mauvaise écriture du nom du candidat Mbappé. Au lieu de Mbappé, on avait écrit Mbappé. Et donc, le SIF a saisi cette occasion pour faire annuler ce vote. Et donc, comme il fallait repartir à l'élection de députés, et le RDPC ne voulant pas perdre les trois sièges du Mungo Sud, le comité central a déplacé sept ministres pour venir me rencontrer pour que je donne un coup de main pour la campagne à la législative. Moi, je te dis jamais. Ok. Donc, du coup, j'étais opposé à ça. Et M. Grégoire Ronan me suit. Et tout le monde est en train de me suivre. Mais Sanga Nyamdine était d'ailleurs à cette réunion. Et donc, quand les gars débarquent à Ndjombe Pendja, je leur dis, moi, je ne peux pas battre campagne pour le RDPC, pour la législative. Pour la simple raison que le gars que j'avais battu à Pendja, qu'on appelle Ndono Mbanga à la députation, parce que j'ai gagné à la fois à la municipale et à la législative, je ne peux pas aller supporter un gars que j'ai gagné pour qu'il devienne député. Mm-hmm. Moi, je ne peux pas. Parce que j'arrive à un moment où il n'y a plus de cumul de fonctions. Moi, je gagne quelqu'un à la municipale. Je le gagne aussi à la députation. Je ne peux pas aller supporter un vaincu. Donc, vous allez tourner le dos à cette heure. On a tout fait pour que je le fasse. Grégoire Ronan m'a parlé. Bapes m'a parlé. Tous les autres m'ont parlé. Je leur ai dit, ok, vous êtes des aînés. Nous sommes des bantous. Je sais aussi respecter les aînés. Allons-y. Et en 15 minutes, j'ai envoyé que 20 000 personnes sortent des maisons. Monsieur Grégoire Ronan nous suit, je le suppose, parce qu'il y a un accro des médias. Et 20 000 personnes sont sorties de la maison. Nous avons fait un meeting, ils étaient surpris qu'en 15 minutes, je fasse sortir 20 000 personnes. Chez moi, c'est ça, le lien entre mes populations et moi. Mes populations et moi, on se parle seulement en clin d'œil. Parce qu'il y a une relation d'amour entre elle et moi. D'accord. Donc, du coup, j'ai apporté mon soutien pour que, finalement, celui que j'avais gagné à la députation et à la mairie, parce qu'il était candidat à la fois à la députation et à la mairie, pour qu'il passe, finalement. Donc, M. Sadi avait dit à l'époque que, en tant que responsable du parti, j'étais tenu, n'est-ce pas, de ne pas lâcher le parti dans une telle épreuve. Je suis venu, j'ai battu campagne et puis j'ai laissé ça passer. Mais moi, je n'étais déjà maire. Donc, ils ne m'ont pas apporté de soutien. Moi, je ne connaissais pas Grégoire Ronan. Pendant que je battais campagne, je ne le connaissais pas avant. Alors, on a quand même pu également voir que sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'était de façon coordonnée, si ça a été ordonné, instruit. Le professeur Kamtoua a quand même eu des soutiens assez extraordinaires. Il y a ce qu'on appelle la brigade anti-Sardina qui lutte contre les tontinards, pour reprendre un peu les expressions qui circulent. On a également vu des individus, Patrice Nganan, qui soutient d'ailleurs, qui a mis en ligne une télévision qu'il dit être la télévision pro Kamto. Quel est le lien? Le lien de quoi? Entre le professeur Kamto et le professeur Kamto et tout ce monde-là n'ont pas de lien. Moi, je ne voudrais pas qu'on rende le professeur Kamto léger. Ce n'est pas un personnage léger. Vraiment, il faut que les gens cessent de... M. Ghana a fait sa télé. Et d'ailleurs, vous allez voir que le sigle de sa télé porte bien le nom de son association. Génération, Change et machin. Vraiment, M. Kamto n'a rien à voir avec ces affaires. Il ne faut pas rendre ce personnage léger. M. Kamto n'est pas léger. Vous ne pouvez pas, à chaque fois on dit Kamto a fait ci, Kamto a fait ça, Ghana a fait ci, Ghana a fait ça. Non. Kamto est un personnage qui estime que chacun qui peut apporter sa contribution, apporte sa contribution. Quand M. Ghana fait sa télé, Kamto n'est même pas au courant. Kamto est seulement informé plus tard qu'il y a une télévision pro lui qui est en gestation.
Mais qu'est-ce qu'il avait à faire? Mais il n'y a pas que ça. Il y a Maurice Bertel. Il y a d'autres chaînes de télé là qui sont nées. Et bon, Maurice Bertel, je crois que ce garçon, pour qui j'ai pourtant beaucoup de sympathie, est dans la dérive. Il me semble être dans la dérive parce que je le croyais tellement intelligent, mais je me rends compte que désormais, il faut prendre avec des pincettes ces informations. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 jours, il a sorti une information suivant laquelle je me serais désolidarisé de M. Kamto. Mais ce qui m'a choqué dans son information, dans son article, dans son post, c'est qu'il dit que ceux qui ont décidé d'être durs et collés à Kamto, ces ongans et Penda et Koka, les autres ont pris l'argent du gouvernement. Et quand il le dit, cela suppose que moi j'ai pris l'argent du gouvernement. Je voudrais dire à M. Boris Bertol sur votre plateau que je peux manger de tout argent sauf celui du gouvernement du Cameroun. Pour la simple raison que, pour moi, M. Biya, tel qu'il est à la présidence là, n'est pas mon président, je l'ai toujours dit. Donc, s'il vous plaît. Vous n'avez pas de connexion au cabinet civil, des entreprises. Je n'ai aucune connexion au cabinet civil, je le dis haut et fort. Il peut faire comme vous suspectez de collusion. Je n'ai aucune connexion au cabinet civil. Je n'ai aucune connexion au secrétariat général de la présidence de la République. Je le dis haut et fort. Donc, du coup, moi, je ne suis pas. Mais, monsieur. Monsieur Dipita, je ne fume pas. Je ne bois pas. À partir de ce moment, les affaires mondaines me sont lointaines. Vous comprenez? Je n'ai pas besoin de richesse. La richesse ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que le petit peuple qui m'entoure se sent bien. Et ça, c'est pour ça que j'ai donné 8 ans. C'est le bon rôle, hein? Oui, c'est pour ça. Non, moi, je ne le cache pas. Parce que n'oubliez pas que moi, j'ai perdu mon fils dans l'injustice. Et parce que j'ai perdu mon fils dans l'injustice, je ne souhaiterais pas que ça arrive à un autre enfant dans la République. Au nom de mon fils, j'ai décidé de donner ma vie pour les autres. J'ai donné 8 ans de ma vie pour la prison. J'ai été en prison parce que je défendais les plus faibles dans ma localité. Donc je ne suis pas du genre porté vers la richesse. Il faut que cela se sache. Donc quand Boris Bertol dit que les autres ont pris l'argent du gouvernement, il faut que Boris Bertol sache que s'il y a quelqu'un qui est le gouvernement actuel au Cameroun, plus que toute autre personne, c'est moi pour les Rikinets. Et il y a des raisons objectives à ça. Quelles sont-elles? La première raison objective, c'est qu'ils m'ont jeté en prison pour rien pendant 8 ans. La deuxième raison objective, c'est que pendant 8 ans, mais pendant 5 ans, je les ai fait condamner, ils ne payent pas. En fait, vous n'avez toujours rien reçu. Jusqu'à présent, rien. C'était 7 milliards. C'était 6 milliards de francs CFA. Même pas donc, de négociation. Je dis, la troisième raison, c'est que c'est des gens hautains qui ne savent pas gérer une république. Regardez comment ces gars gèrent notre pays. Avec le tribalisme, avec le clanisme, avec un peu de sorcellerie et avec presque tout. C'est des gars terribles. Donc pour moi, je peux recevoir tout de ce gouvernement. Je peux être sollicité par tout le monde de ce gouvernement, mais jamais, et ça c'est un engagement personnel que je reprends une énième fois devant le peuple camerounais, je n'ai aucune collusion avec ce gouvernement. J'ouvre une autre petite brèche. Quelles sont les actions que vous avez entreprises pour être indemnisé quand même de votre... de tout ce que le gouvernement vous doit. Non, mais mes avocats français viennent de mettre en demeure le Cameroun. C'est récent, ça? Oui, récent. D'accord. Le mois dernier, pour qu'il ait à payer cette réparation enfin. Et la mise en demeure date à 60 jours. L'État du Cameroun a 60 jours pour payer finalement cette réparation. Et la mise en demeure, au terme de ces 60 jours, va faire des effets de toute mise en demeure dans le monde. C'est-à-dire que l'État du Cameroun est déjà informé qu'il a 60 jours pour payer. Au terme des 60 jours, alors nous pourrons à tout moment sortir les stratégies que je préfère garder ici. Mais la mise en demeure a été servie via la valise diplomatique de l'ambassade du Cameroun à Paris.
et via la valise diplomatique de l'ambassade des Nations Unies, du Cameroun aux Nations Unies. Donc, nous supposons que l'intéressé, c'est-à-dire que le destinataire final, qui est M. Biya, qui est le représentant statutaire du Cameroun, hein, si on veut s'en tenir au texte et à leur texte-là, alors, ces documents sont envoyés à M. Biya, qui dit qu'il est président de la République. Maintenant, il y a un autre point. Notre sortie, la sortie de mes avocats arrive à un moment où, au mois d'août, là, le Cameroun vient d'être élu à co-présider le Conseil des droits de l'homme dans le monde, dans les Nations Unies. Absolument. Alors, voilà un pays qui est en train d'aller co-présider le Conseil des droits de l'homme, hein, dans le monde, c'est-à-dire le toit, le sommet du monde en matière des droits de l'homme, mais qui lui-même ne respecte pas les décisions venues de ce Conseil. Parce que le mécanisme qui a condamné le Cameroun dans cette affaire s'appelle le Comité des droits de l'homme. Le Comité des droits de l'homme est le plus grand mécanisme du Conseil des droits de l'homme. Alors, le Conseil des droits de l'homme, le Cameroun va présider un conseil dont il ne respecte pas lui-même. Irez-vous jusqu'à faire saisir les comptes, par exemple, de l'ambassade de France ou... Ça va être fait, M. Dipita Tongo. Le Cameroun, si M. Biya... Non, je veux d'abord faire des actes forts. Comme lesquels? Mais par exemple, M. Biya atterrit n'importe où avec son avion, on lui notifie par voie du ciel que cet avion ne peut pas bouger. Les grands juristes passent le temps à dire que ces décisions ne sont pas contraignantes. Quand on va saisir l'avion de Paul Biya, on va mettre les grands juristes sur les tables pour qu'ils viennent nous expliquer pourquoi ces décisions ne sont pas contraignantes. Si le président, si le Cameroun est encore un pays qui a le bon sens, il doit pouvoir réparer. Je voudrais vous dire qu'il y a une décision qui a été rendue hier aux États-Unis, où quelqu'un a mis autant de temps, un peu plus de temps que moi en prison, il a été dédommagé hier. Il a été dédommagé hier. Moi, je suis libéré depuis 2015. La décision de l'ONU est tombée en 2016. L'État du Cameroun estime qu'il est le plus grand État. Justement, il est intouchable parce que ses dirigeants sont intouchables. Vous savez, M. Dipita Tongo, que l'égal sur la terre et au ciel de Paul Biya, c'est Dieu. Vous savez que M. Ngongo et les autres sont aussi Dieu. Donc, mais moi je dis, ils sont Dieu au Cameroun. Ils vont, lorsque les actes vont être posés dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, ils ont jusqu'au 28 février pour s'exécuter. Lorsque ces actes vont être posés, ces actes vont être inscrits dans le cadre de l'humiliation du Cameroun en ce moment-là. Et je, croyez-moi, les Nations Unies ont dit à mes avocats qu'elles sont aux côtés de nos avocats pour toute action qui va être faite, et ces actions vont être couvertes par les Nations Unies, parce que les Nations Unies n'entendent pas que elles rendent des décisions qu'un État parti ne respecte pas. Donc, ça pourrait donc partir de la saisine, de la saisie, pardon, de l'avion présidentiel. Même s'il a loué, il le loue, nous le saisissons quand même jusqu'à ce qu'il prouve que ce n'est pas l'avion du Cameroun. Ça pourrait donc partir de la saisie de l'avion au compte, à la saisie des comptes de l'ambassade du Cameroun, n'importe où. Bref, de toute façon, alors, les stratégies sont en train d'être affinées. Dans moins de 48 heures, le MRC entrevoit une grande série de manifestations, oui, ici et ailleurs. Ouais. Vous êtes prêts? Non, j'aimerais que vous corrigiez, c'est pas le MRC, c'est la coalition. La coalition, pardon. Ouais. J'avoue que entre, je vous le dis. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Ici et ailleurs. Et ici et ailleurs. Quel sera votre rôle? Mon rôle? Mais je vais marcher. Ce qui me gêne un tout petit peu, c'est que j'ai le président, j'ai un membre de mon bureau qui a fait un accident très très grave, qui est dans une situation assez déplorable. Je suis à son chevet. Vraiment, je suis un peu gêné. Mais de toute façon, aussitôt que je trouverai une seconde, moi je vais y être. Je peux vous dire que je vais y être. Vous savez que le préfet d'Infundi interdit des marches du MRC. Laissez-moi ces préfets et ces gens qui interdisent les marches. Ils interdisent les marches pourquoi? Mais vraiment, je suis un peu surpris. On est même dans quel pays? Mais la marche est un droit fondamental. Il faut que les gens le sachent. Et le peuple ne va pas toujours attendre que les préfets donnent les autorisations. Nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation. On est dans un régime d'information. C'est-à-dire qu'on informe le préfet qu'on a marche. C'est ça la loi.
Bon, maintenant que le régime sort de Haïti. Mais la même loi dit que. Non, s'il vous plaît. J'ai vu cette loi encore mardi dernier. Oui, la loi dit quoi? La même loi dit que, aussi vrai que vous allez faire une déclaration, si le prophète trouve à redire, il peut soit vous orienter loin de l'endroit où vous prévoyez faire votre marche, soit l'interdire. Non, il ne peut pas interdire. Mais celui qui est. Non, il ne peut pas interdire. La loi le dit. Non, s'il vous plaît. Si, le préfet interdit sur la base de quoi? C'est le chapitre 3 dans son article. Il interdit sur la base de quoi? Mais sur les éléments de renseignement qu'il peut avoir. Celui qui apprécie. Non, écoutez, celui qui apprécie. Écoutez, c'est la loi. Laissez-nous ces affaires. Il faut que le peuple camerounais s'affranchisse de ce genre de bêtises. Pour moi, c'est des bêtises, ça. Donc, vous comprenez? Avec le jour, on est fatigué. Donc vous allez marcher quel que soit. S'il vous plaît, on est fatigué de ce régime. Vous allez marcher. Nous allons. Le peuple camerounais doit apprendre à revendiquer, à faire ce que la Constitution, à faire ce que la Constitution lui permet de faire. Quel est même ce pays où un parti politique ne peut pas marcher? Les gens ne peuvent pas marcher. Tout est verrouillé. Mais quand le RDPC doit marcher, c'est les policiers qui sont là pour encadrer le RDPC. Vous trouvez que c'est un pays normal, ça? Vous trouvez que ça, c'est normal? Soyons quand même un peu sérieux. Et qu'est-ce qu'il y a? Le régime nous doit. Mais si le régime a eu 71% au vote, de quoi a-t-il peur? Mais si on marche, c'est... alors qu'on a 71% au vote, le régime appelle ses 71% de votants pour demander de faire une contre-marche. Quelle est même cette affaire où on a peur de tout? On a peur même de la souris qui est en train de passer pour aller dans une chambre. C'est quel type de régime, ça? Mais s'ils sont si confiants, moi j'entends les menaces qu'ils font à gauche et à droite, ils font des menaces, mais il faut qu'ils sachent que quand le peuple décide de prendre sa souveraineté, le peuple prend sa souveraineté. Peu importe les préfets en ce moment, peu importe qui ou quel. De toute façon, le Cameroun n'est pas une île. Donc, samedi... Vous tirez, s'il vous plaît, vous tirez le monde où vous voit. Samedi, vous allez marcher. Le président de la FECAFOOT de la République centrafricaine a été arrêté et extradé à la CPI. Donc, samedi, vous allez marcher. Non, s'il vous plaît, permettez-moi de dire que, oui, on va marcher. Il y aura la marche sur l'ensemble du territoire camerounais. Il y aura la marche. Donc, je suis en train de dire que il faut que les gens sachent que ce pays n'est pas une île. Les gens sont devant vous tirer, vous allez répondre de vos actes. Pour que les gens cessent d'influencer, d'intimider les gens dans un pays comme celui-ci. Si vous dites que vous êtes un état de droit, souvenez-vous que M. Biya avait dit aux Camerounais qu'il voudrait qu'on se souvienne de lui comme celui qui a apporté la démocratie au Cameroun. Est-ce que la démocratie, c'est finalement l'interdiction des marches et autres? Alors Paul-Éric, c'est ça la démocratie? Il reste environ 6 minutes. Je vais peut-être me permettre encore 2 ou 3 questions. Sur les quelques éléments qu'on a pu évoquer d'abord, à titre individuel, seriez-vous candidat à la députation au mairie, au municipal? Non, naturellement, je serai candidat aux 2 élections. D'accord. Je serai candidat aux 2 élections. Ben, écoutez, notre objectif dans la coalition, c'est d'effacer le RDPC. Nous allons effacer le RDPC. Et je suis en train de dire à tous ceux qui me suivent que le MRC et le MPCN vont se mettre en intelligence pour effacer le RDPC. Dans cette logique-là, indépendamment de ce qu'il a été candidat à l'élection présidentielle, Maurice Kamto va-t-il revenir candidat dans l'une de ces... La décision lui appartient. Vous n'en parlez pas dans le cadre de votre coalition. La décision lui appartient. Décider d'être candidat à tel... Quand Joshua aussi s'est levé pour aller être candidat à, je ne sais pas, à la FECAFOOT, la décision lui appartient. Le professeur Kamto peut dire, je vais être candidat, mais il peut aussi dire qu'il n'a pas envie d'être candidat. Donc tout dépend de lui. Je ne peux pas présumer de ce qu'il a en tête. Mais rassurez-vous que le MRC ira aux élections, quel que soit les cas. J'entends les gens dans les réseaux sociaux raconter que, voilà, vous dites que vous ne reconnaissez pas Paul Biya et vous voulez aller aux élections. Les élections appartiennent au Cameroun. Paul Biya s'est placé en position de peur. Mais les élections appartiennent au Cameroun. Donc vous resterez nous, on ne les laissera pas faire comme ils veulent. Mais en attendant, il y a un ensemble d'actions qui vont être menées pour que la loi électorale soit toilettée. Parlons de votre indemnisation. Quel que soit le niveau étatique, la primature, le ministère des Finances, vous n'avez pas eu de négociation, de discussion avec une instance? Mais je l'ai déjà dit. J'ai eu la discussion avec le premier ministre chef du gouvernement et son secrétaire général.
Et cette discussion était instruite par la présidence de la République. Qu'est-ce que vous en proposez? Je l'ai toujours dit. Qu'est-ce que vous en proposez? Moi, à l'époque, il était question qu'il... parce que les textes, les condamnants, demandaient qu'ils s'occupent de ma santé et qu'ils s'occupent de mes... Comment vous appelez ça? De mon logement. Et ils se sont occupés de la santé. C'est-à-dire qu'ils ont... ils m'ont fait prendre en charge par des médecins. Vous savez, dans ces choses-là, on a même toujours peur. Parce que quand les médecins vous prennent en charge, vous ne pouvez même pas savoir qu'est-ce qu'on vous inocule et tout. Mais ils l'ont fait. Mais là, ce n'était qu'un préalable. L'État du Cameroun a fait cet effort, et je l'ai dit dans tous les médias. Ils ont fait ce petit effort, c'est-à-dire la santé. Et uniquement la santé. OK? Mais je dis que la réparation ne s'arrête pas à la santé. Pour finir. Maintenant, parce que la deuxième phase de la réparation portait donc sur le paiement de l'indemnisation. Et c'est à ce niveau que se sont échoppées les discussions, et c'est à ce niveau qu'il y a blocage. Pour finir, vous avez fait, ou alors vous dites que dans cette machine gouvernementale qui vous a conduit en prison, le principal bourreau était Mara Famidou Yaya. Depuis que vous êtes sorti, l'avez-vous déjà rencontré? A-t-il fait des démarches? Avez-vous essayé de... Êtes-vous prêt à pardonner? Non, mais j'ai pardonné à Mara Famidou depuis. Vraiment, moi, je ne comprends pas. Mara Famidou n'est pas un poids dans mon esprit. Vraiment, je lui ai pardonné et je prie Dieu chaque jour qu'il arrive, qu'il sorte de prison. Parce que lui aussi, c'est un Camerounais. Il doit contribuer à l'édification de ce pays. Moi, j'ai pardonné à M. Marafa. Moi, je ne suis pas du genre à dormir le soir avec la haine. Parce que même la Bible nous l'a prescrit. Depuis lors, aucun contact? Non, je n'ai pas de contact. Pour que j'ai des contacts avec lui, il faut qu'il accepte de me recevoir. Vous savez, quand vous êtes en prison, c'est vous qui acceptez de recevoir X ou Y. Donc, il faut qu'il accepte de me recevoir. Mais moi, je n'ai pas de haine contre Marafa. Ça, je peux le dire à tous les Camerounais. Je n'ai pas de haine contre Marafa. Je souhaite même que ça aille vite, qu'il rejoigne la liberté et que finalement, il tire simplement les leçons de la mégalomanie quand on est à des postes comme cela. J'ai fait cas de Marafa parce que vous savez que le candidat que vous soutenez a clairement dit qu'une fois au pouvoir, mais je le sais. Ça ne vous dérange pas? Non, ça ne me dérange pas. Vraiment, je vous dis, si Marafa sortait et qu'on gagnait l'élection, il ne serait pas plus camerounais que moi. Paul Eric Kinga, merci. Pourquoi vous finissez ça maintenant? Parce que c'est fini. Mais non, vous avez pris du temps. Vous m'avez perdu du temps au début. On a plus d'un quart d'heure de plus sur le temps prévu. Pour non, parce que moi j'avais des choses à dire. Eric Gando? Ok, Eric Gando nous permet d'avoir 5 minutes encore. Allons-y. Bon voilà, donc moi je voudrais que les Camerounais sachent que je suis un Camerounais qui ne porte pas la haine dans le cœur contre Marafa. Premièrement. Deuxièmement, je voudrais dire au jeune frère Boris Berthold que on ne gagne pas en divisant une équipe soudée. Le professeur Kamp et moi, nous sommes soudés. Nous sommes d'abord soudés par les papiers, mais nous sommes soudés par nos visions. Mais est-ce que votre sortie vis-à-vis de Akerem ne fragilise pas non plus cette équipe? Non. Vraiment, j'assume ça. D'accord. Maintenant, les Camerounais, les réseaux sociaux peuvent s'enflammer parce que j'ai parlé d'Akerem. Mais je voulais simplement que les Camerounais sachent, parce qu'il ne faut pas faire porter des lauriers aux gens qui ne méritent pas ces lauriers. On poursuit. Mais il faut que cela soit, vous n'allez pas récolter là où vous n'avez pas semé. Moi, je dis que si M. Akerem avait été honnête avec le professeur Kamto, 7 jours au moins avant l'élection, il se serait rallié à nous, et puis on aurait fait chemin ensemble. Parce que dès le commencement même de sa campagne, c'était suffisamment lourd. On ne le voyait pas mobiliser grandement. Donc il devrait comprendre dès le début que... Ça vous l'avez déjà dit, on a moins de 3 minutes pour la suite de ce que vous vouliez dire autre. Oui. Vous voulez ajouter? Non, donc il faut que les gens sachent que ce n'est pas une manière de les fragiliser. La coalition autour du professeur Kamto est solide pour faire ce qu'il faut faire. Merci. Maintenant, si M. Akerem veut apporter du sien, il n'a qu'à le faire. De toute façon, il va en discuter avec le professeur Kamto, parce que au-delà de tout, c'était le professeur Kamto le candidat. Ce n'est pas Paul Eric Kinga. Et je retiens que vos relations restent
solide et sereine. Merci pour les Rékiniens. Nos relations restent sereines, solides, et je peux vous rassurer, jamais elles ne seront trahies. Merci pour les Rékiniens. Merci. Bon retour sur Yaoundé et merci de votre disponibilité toujours aussi amicale. Merci, c'est moi qui vous remercie de me permettre finalement de m'exprimer sur un certain nombre de questions. Voilà monsieur, merci d'avoir suivi cette édition qui a commencé un peu difficilement. Mais bon, tout est bien qui finit bien pour Eric, c'est un grand frère bien-aimé. Il me le rend bien également. Bonsoir et à jeudi prochain pour un autre entretien.